Bonsoir, on est en route. We are here for traveling session. En route pour Paris, passant par Bruxelles. La mission nous appelle, mes amis. Ah, de l'eau, hein? Ça, c'est sans alcool. Ok, d'accord, merci. Donc voilà, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes déjà dans, je suis dans l'avion pour Paris, passant par Bruxelles. Par la grâce. Les habitants de France, vous savez que nous avons un grand rendez-vous. C'est au Salon du Grand Paris. Le Salon du Grand Paris. Ce sera ce vendredi 27 octobre à partir de 21h jusqu'à l'aube. Pour une grande nuit. La nuit de la turbulence prophétique. Donc nous sommes déjà dans l'avion. Je rends grâce à Dieu. C'est un mot que je conseille à quelqu'un comme ça, mon frère. Il y avait la rosée dedans. La salade vraiment. Donc voilà, les bien-aimés de la France, nous sommes déjà en route. Je suis en route. Est-ce que vous me suivez? Tout le monde me suit. Est-ce que le son il est bon? C'est pour confirmer tout simplement le voyage sur Paris, la campagne sur Paris. Nous sommes déjà installés. On va passer par Bruxelles, par la grâce de Dieu. On sera là demain. Demain matin. Demain dimanche. Et toute la semaine, je vais préparer les bien-aimés. Les bien-aimés sur place là-bas pour la grande nuit de la turbulence prophétique. Ce vendredi 27 octobre, battu 21h, des choses extraordinaires vont se passer. Je vous assure, bien-aimés, ne manquez sous aucun prétexte. Ça, c'est pas une nuit de prière qu'il faut manquer. C'est pas un événement qu'il faut laisser passer. Il y a des rencontres qu'il ne faut jamais laisser passer, mes amis. Il y a des rencontres qu'il ne faut pas laisser passer. Donc, l'Europe sera arrosée des bénédictions extraordinaires de Jésus-Christ. Dieu manifestera une puissance extraordinaire. Si vous êtes malade, votre saison est arrivée. Vous connaissez les choses extraordinaires que le Seigneur accomplit à travers notre ministère. Mais si vous êtes malade physiquement, quelle que soit votre maladie, nous allons déclarer la santé et la guérison. Et le Seigneur manifestera sa puissance. Si vous souffrez des oppressions nocturnes, etc., nous allons prier ensemble et le Seigneur manifestera sa gloire. Il est souverain. Dieu t'apportera une grande délivrance. Dans tous les cas, le peuple de Paris, d'Europe, des États-Unis, ceux qui viendront des États-Unis, des îles, etc. Le Seigneur visitera chacun. Chacun retournera étant comblé, étant béni, étant débordant de grâce. Il y a une notion extraordinaire que le Seigneur Jésus-Christ est en train de réserver à tous ceux qui seront présents lors de ce grand programme. Donc, pour confirmer juste que le voyage il est là, nous restons dans la prière, que le Seigneur puisse nous mener à bon port, dans de bonnes conditions, qu'on arrive et puis qu'on soit calés ensemble à Paris. Que le Seigneur est fidèle, il est loyal, notre Dieu. Commencez à vous réjouir déjà. Lorsque Dieu libère un prophète, c'est pour apporter une délivrance, une restauration, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la main de Dieu dans sa vie. Et je pense que la personne c'est toi. Je veux dire maintenant que chacun puisse se mobiliser, passer l'annonce autour de vous. Le prophète de l'Éternel est en route pour les grands salons du Grand Palais, les salons du Grand Paris. Dieu fera des choses extraordinaires, des signes tels que vous n'en avez jamais vu là-bas. Le Seigneur le fera pour sa gloire. Dans tous les cas, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Je sais que le Seigneur, il est fidèle, notre Dieu. Il n'est pas un menteur pour ne pas accomplir sa parole.
Donc, vous avez prié depuis 2019, j'ai plus mis les pieds en Europe. Et je pense que c'est une occasion que chacun de nous devrait profiter. Chacun devrait profiter pour cette occasion. De cette occasion. Donc maintenant, tu peux prendre ta permission pour Paris, pour les grands salons du Grand Paris. Et quel que soit ton problème, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc n'aie pas peur, ne te plains pas, ne pleure plus. Le Seigneur nettoiera toutes les larmes de tes yeux, le Seigneur te consolera. Je viens avec les mouchoirs du Dieu Très-Haut pour nettoyer les larmes des yeux de quelqu'un. Ta servitude est finie. Je sais qu'il y a des gens qui ont prié pendant des années pour me voir. Pendant des années, il y a des gens qui ont prié, qui ont intercédé, qui ont pleuré devant Dieu, disant, Seigneur, je veux voir cet homme. Si ton serviteur peut juste venir où je suis, Seigneur, je serai béni, je serai délivré. Je ne suis rien, je ne suis personne. Mais la fidélité de mon Dieu se manifestera puissamment. Le Seigneur t'exauce aujourd'hui en permettant que je quitte ma nation pour venir là-bas, Paris. Le Seigneur se glorifiera, mes amis. Sa puissance et sa fidélité seront manifestées. Donc, quel que soit ton problème, sois heureux. Réjouis-toi, car le jour du salut arrive. Ton jour du salut est arrivé. Nous sommes déjà là. Nous sommes là. Voilà, grand Seigneur Jésus-Christ. On est en train de se préparer pour le vol dans quelques minutes. Dieu t'a visité, Dieu a exaucé vos prières. Donc je vais entendre quelqu'un chanter des louanges à l'Éternel avant ce vendredi, chanter des cantiques de louanges, des cantiques d'action de grâce reconnaissant la fidélité de l'Éternel, notre Dieu, disant Seigneur, enfin tu m'as exaucé. Seigneur, je sais que tu me feras du bien. Il nous fera du bien, mes amis. Il nous fera du bien parce qu'il est fidèle, notre Dieu. Il nous aidera, il nous bénira. Et je voudrais dire à ma famille, à ceux de ma maison qui m'ont accompagné, de pas pleurer. Je vais revenir. C'était un peu difficile tout à l'heure. C'était les pleurs. Donc je veux leur dire que je les aime extraordinairement et que je reviendrai vers eux. Je veux dire à Jemima d'être tranquille. Je reviendrai. Donc papa t'aime et il va revenir. Il va juste en mission. Il revient. Tu as de bonnes mains, tu as des personnes qui t'aiment, des personnes qui prennent soin de toi et qui aiment le Seigneur aussi. Donc que Dieu te bénisse et qu'il veille sur toi. Tu as une maman gentille, que le Seigneur veille sur toi et qu'il te bénisse, ma fille. Donc je vais dire comme ça, merci à tous ceux qui ont prié, à ceux, les gens demandent l'adresse à Paris, l'adresse à Paris, attendez, la dame est directe de demain, suivez mes directs demain, like, à partir de demain. À partir de demain, je ferai un live. C'est 8 rue, quelque chose. Hein. Voilà. La main de Dieu sera puissante dans nos vies pendant ce programme. Et soyez connectés à cette page. J'aurai des directs à partir de dimanche, 21h, heure de Paris. 21h, heure de Paris. J'aurai un direct. J'aurai un direct pour donner des explications plus amples. Voilà. Dans le Seigneur se manifestera. Tous ceux qui souffrent d'oppression nocturne, ceux qui souffrent d'oppression, ceux qui souffrent de la puissance de Satan. La Bible dit le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, je viens pour ta libération. Je viens pour que tu sortes de la captivité. Je viens pour te faire sortir de la maison de la servitude. Donc mets ta confiance en l'Éternel, le souverain, notre Dieu. Mets ta confiance en lui. Le Seigneur t'aime, il est bon, il est fidèle. Et sa fidélité sera extraordinairement manifestée à Paris. Peu importe tes souffrances, la prison dans laquelle tu es accroupi depuis des années, peu importe les paroles de malédiction qui ont été déclarées sur toi, ces paroles seront changées en bénédiction au nom souverain de Jésus. Le Seigneur arrosera la terre aride de ta vie. Il y a beaucoup qui pleurent en Europe, mes amis, beaucoup de gens qui souffrent dans la misère des chaînes de Satan. Voilà pourquoi le Seigneur m'a suscité dans cette génération pour venir en cette époque. Il connaissait la meilleure époque pour vous, pour moi. Donc le Seigneur a suscité cela. Je veux dire merci à mon frère, le prophète Arsène Kamto. Merci bien-aimé, vraiment. Que Dieu te bénisse. Je sais que si ce fut possible, tu aurais été avec moi ici. À l'aéroport. Donc. Mais sur Van Bassama qui était avec moi, je lui ai donné des recommandations par rapport à la maison de Dieu. C'est aussi qui est écrit afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité.
Donc que Dieu te donne la sagesse, mon fils, pour veiller sur sa maison. Et je vais parler à tous les leaders d'être unis pour diriger le troupeau du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais aussi parler à toute l'Église d'être présente. Ne manquez pas les cultes. Soyez présents, car votre Sauveur, il est présent. Moi, je ne suis que le vermisseau d'entre les 10 000. Et le Seigneur Jésus-Christ est avec vous, comme il est aussi avec moi. Il est partout en même temps. Nous lui rendons grâce pour cela. Donc, nous demeurons dans la prière, mes amis, et partage cette vidéo, partage l'annonce, la bonne nouvelle à tout le monde, dit le prophète Ferdinand et Canet, et en route pour Paris, enfin, pour l'Europe, enfin. Et puis, j'irai, je vais faire un tour chez mon bien-aimé, l'évangéliste Makanzo, et je pense que je serai aussi en Belgique, chez l'apôtre Silassi. Et les gens de Belgique seront aussi visités. Mais quelqu'un pourrait chercher la double portion, c'est-à-dire venir à Paris et puis venir aussi en même temps en Belgique. Et Dieu manifesterait sa gloire et sa puissance. Ouais. Donc je pense qu'il faut prendre le grand lot, mes amis. Ne manque sous aucun prétexte à ces grands rendez-vous. Ne manque pas sous aucun prétexte. Même si tu fais quoi, prends la permission et sois là. Bats-toi pour être à ce programme. Bats-toi. Et soyez connectés sur ma page. Et faites attention aux arnaqueurs qui vont vous écrire pour vous dire que vous devez en donner des offrandes ou bien acheter telle ou telle chose, c'est pas moi. Faites attention. Je ne demande pas des offrandes aux gens sur Internet et tout cela. Nous faisons tout en public dans notre page et pendant nos cultes. Donc, soyez connectés à cette page à partir de demain. Demain, je pense que déjà quand je vais arriver, je fais un petit direct. Et le soir, à partir de 21h, heure de Paris, nous aurons un autre direct. Et on aura des directs comme ça pour préparer la grande nuit de la turbulence prophétique. Tous ceux qui veulent consulter Dieu, qui veulent avoir une orientation prophétique, qui veulent une parole de Dieu qui leur donne le repos, ils sont invités à ne pas manquer à ce grand rendez-vous. Alors, que Dieu vous bénisse, je vous aime énormément. C'était juste pour vous faire signe. Allez, ciao. Bye. Restons dans la prière. Et je vous fais signe dès que j'arrive. Je vous aime tellement. Bye. Shalom.